va devoir être d'abattre le monstre qui est Yvon Buisson. Pour l'instant, on peut plus d'avoir un peu Yvon Buisson. Sur la fraîcheur très intérieure, on est vraiment venu mettre deux roues dans l'herbe sur le déclenchement. Là encore une fois, on a du mal à accrocher pour Steve Guérin les clips. Qui a confirmé, je vous prendrai l'information. En tout cas, on s'élance pour la E36M50 turbo, très intérieur aussi. On a du mal à retrouver un petit peu les dents qu'on avait hier. On est venu se reprendre à la sortie du numéro 2. Ça pouvait être là. Allez, premier virage. Est-ce qu'on va réussir à conjurer un petit peu le sort du début de qualification? Bloquez-vous avant, on met le bon, c'est accroché. Attention toutefois à pas trop serrer. Il faut très bien que Alexia puisse reprendre les deux premiers coups. Garder du mental, on a eu du mal à lancer la deuxième vitesse. Allez, pas perdre trop de temps, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à se mettre des difficultés. On est loin du premier clip sans pour autant l'oublier. Pareil ici au deuxième, on rentre dessus sur la clip zone, on la quitte un petit peu tôt. On prend son temps sur le clip numéro 3. On s'ajoute, on a la ligne sans pour autant avoir des coups d'éclat pour Benoît Lemaire qui découvre d'une certaine façon la piste discret sur le dernier virage. Mais toutefois, eh bien, il y aura beaucoup de notes à couvrir pour ce vote-là. Et quand même, eh bien, avec la série 1 GT Radial, le monstre de puissance de 1000 chevaux qui s'élance très l'intérieur. Encore une fois, c'est compliqué décidément ce premier virage qui a tendance à être un petit peu facétieux. Par contre, c'est efficace. Il y a pour André Sylvain, on continue à reprendre la bonne trajectoire.
Carayairas qui s'élance. Il a toujours le sort par rapport à ses qualifications. Mais efficace quand Carayairas, premier clip, avec un beaucoup d'angle, on ralentit beaucoup quand même sur le deuxième clip. Mais on reprend de l'énergie de la vitesse. Le troisième ici, on s'appuie de l'extérieur. Chope avec la S15, le compresseur qui attaque, on prend son temps et c'est efficace pour Steve Leber en déclenchement qui a pris le parti de bien travailler celui-ci derrière la deuxième course de efficace à 3, un petit peu plus discrète, mais bien marqué de bout en bout, de tout intérieur. Maintenant, Arno Fischer qui prend le départ, le début ici, 46. Beaucoup d'angle, beaucoup de pas, et on est venu au moins la liste. Est-ce que pour autant, un total de l'écran à voir, on va le point avec les juges à la fin. Même si on a super dernier clip. S'élance avec, lui aussi, AJZ GTE, le classique. Timothée Stellin, très très efficace au déclenchement. On a dû retarder son transfert sur le deuxième clip. Malheureusement, ça a mis un petit peu en trajectoire. J'ai dû un peu d'arrêter le petit peu de reprendre. Et là, on va chercher la sur l'extérieur. Jérémy Germain, bon, c'était sa faute, il était venu se mettre avec ce qu'il ne fallait pas. Il avait cassé deux jambes, mais le voilà à nouveau. Il a fait son tour pour redresser les triangles, réparer, ça continue. Il est réglé en deux, pour l'instant. C'est un run discret, efficace. On vient récupérer la belle, elle est à l'aise cette saison, qui essaie un petit peu de se trouver de la confiance. On a vu en tout cas de l'hésitation, son déclenchement. On est venu un petit peu se rattraper au point de virage. Est-ce qu'il n'y aura pas un levier? On va vérifier ça avec lui juste après. Très intérieur sur le numéro 3, forcément avec un premier virage. C'est lui l'embarquer la faute. On est un petit mal taillé. Lui qui va profiter de la piste. Vincent Ferreira à l'attaque. Avec Supreme Drift très intérieur, encore une fois, ce premier virage qui a du mal à se faire respecter hein, par F1, qui vient quitter très très tôt la coupe zone numéro 3 de Vincent Ferreira. La finishline, bon, il n'y aura pas tous les points espérés, il n'y aura pas tout le. Sur la piste qui donne du sens à cela, c'est Denis Bertrand avec sa E46, Full Carbon Kevlar, c'est très bien écouté ce fin de virage. Et depuis le long, on va dire ça. Avec un ticket de S15 et mais surtout RB38 taillé dans la masse qui fait son travail un petit peu intérieur ici encore une fois et bien ça conditionne le reste du mal à attraper la sur le deuxième virage à l'intérieur pour David Lévy. On a du mal, on a hésité avec des couleurs très très flashy. Est-ce que pour autant ça va lui porter chance d'être aussi visible sur la piste? Laurent Nikitin qui s'appuie très très bien à son déclenchement. Là il régale en tout cas Laurent Nikitin qui nous fait un deuxième clip vraiment au bord du piton, au bord du boudron pour venir chercher voilà, ce numéro 3 qui a fait ses deux équipes. Laurent Nikitin qui s'appuie. Des trainings, beaucoup de soucis techniques. Est-ce qu'on va pouvoir pour Fabrizio venir chercher le déclenchement? Fabrizio Pires qui décidément la E46 avec un Vionalar M30, le moteur de la série 5, série 6 des années 70 qui passe tant sur vous, peu de travail pour Flandonard, on s'applique avec 30, 4 joueurs, plein de vernis qui pour l'instant prend une bonne vie, on est chercher la transition, on prend son temps Mercedes avec un cœur Mercedes, donc pour l'instant c'est un sans faute pour le break de Jules Duval qui vient taper le déclenchement, on est venu s'attraper avant
L'équipe numéro 2, beaucoup trop chaud, Jules Duval, malheureusement, ce 3-1-0, on va remonter, voilà, pour plaisir, et puis pour surtout prendre de l'information pour le numéro 2, maintenant qui sera son unique possibilité de faire partie des points. Tout de suite avec Stanislas Bonin et sa BMW 34, de déclenchement, cette fois-ci respecté, mais c'est lent, hein. C'est lent pour Stanislas Bonin, on a du mal à reprendre. Maintenant qui commence à être eh bien une bête très très rare, hein, sur nos routes et même sur nos pistes. Ça couille fort pour le 6 cylindres. Belle transition, même si c'est un petit peu moins de sur la roue à l'extérieur. Ah, maintenant sur la piste, on s'applique, c'était au premier virage, oh, attention, on va pas regrouper pour qu'on a les ondées. Des catégories loisirs, le voilà maintenant avec ça, le 21, première fois sur ce tracé pour une chaise de la Gringe qui pour l'instant tient un du travail. Malheureusement, équipe de numéro 3. Vraiment, il a roulé beaucoup là, on le voit un peu sur tous les plateaux, il a la niaque. C'est bien, hein, c'est bien. Avec un moteur, alors ça rend, on va essayer d'écouter ça, mais vraiment quand vous êtes à côté, c'est dingue le bruit de ce moteur, c'est monstrueux. Si, si, ça s'entend. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est Fredo. Je vais te portugais, hein, voilà. Mon frère, avec petit Nuno Pinto. Petit, petit. Un habitué en tout cas, tu parlais de ce type zone numéro 2, voilà. Et ben là, c'est le premier niveau qui a une très belle vie toujours. On a l'impression d'entendre un peu un moteur de gros hors-bord et c'est coupleux, c'est. On écoute justement, hein. Vraiment, on l'entend bien, le V8 LSA. Ah, petite, un petit redéfi. C'est un bon souvenir, mais allez, on va essayer de se concentrer sur quelque chose de plus réjouissant. J'ai Germain, efficace, ce déclenchement. Donc c'est propre. On va voir Sofia Niazid, il aime les rails. Ah, il a sorti les canines. Pour l'instant. Il est loin, un peu loin.
petit peu tout, mais pour l'instant ça se passe bien l'apprentissage sur cette saison. Il met de l'angle. Ah ouais. Ah, il envoie du lourd. Mais il a bien fait, 6ème année. Oh la vache! Ah, il y a de l'angle. Allez. Là, il y a de l'angle. Mmh. Allez, on le fait là. C'est le gars du pays. Allez, c'est le pays. Ah, pour se motiver, est-ce que ça va donner? Allez, on va voir ça. Allez. Ouais, c'est bien. Dernier run. Ça a du mal à passer, il peut pas.